Gousse d'ail à l'Argentière était le résultat d'un projet d'un magasin d'alimentation biologique. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps et que j'ai réussi à mettre en place. Ça va faire 20 ans cette année. J'ai rencontré la plateforme par l'intermédiaire de Stéphane Blondel, donc il y a 20 ans. Il y avait tout le stock à financer, plus un petit peu de trésorerie de départ. Ce qui a été fait par l'intermédiaire du prêt de la plateforme. Comme je démarrais complètement dans cette activité, j'avais vraiment peu de notions de tout ce qui était juridique, ce qui était nécessaire, et ils ont été vraiment d'un super conseil. Il se trouve que l'année dernière, au bout de 19 ans, on avait l'opportunité d'agrandir le local commercial, et du coup on a remonté un dossier financier qui a aussi été complété de nouveau par un prêt d'honneur de la plateforme. Alors la force, évidemment, la force première, c'est le côté financier, parce qu'un prêt d'honneur à taux zéro qu'on rembourse sur 3 ou 4 ans, c'est une super opportunité. Mais je crois que c'est plus le fait qu'il y ait une équipe, puisque maintenant c'est une équipe, la plateforme, qui croit à des projets sur le nord du département, dans des coins où c'est pas toujours évident d'implanter des commerces ou de recréer une activité. Quand ils font confiance à un projet, je trouve ça très rassurant et encourageant.